Quoi, c'est CERN? Les CERN viennent de la fatigue. Donc, c'était une première réponse. Alors, côté, je vais aller voir le sommeil chez toi. Alors, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu dors pas forcément dans le sommeil réparateur? Tu cherches à t'épuiser, tu cherches à connecter des ressources, tu cherches à connecter des énergies, à réaliser. Ah oui, ok. Tu cherches à faire les expériences par toi-même, quitte à t'épuiser. Tu te prends beaucoup trop en charge sans laisser aux autres le soin de t'alléger de ton fardeau. Tu préfères te rester seul et avoir tout le mérite pour toi plutôt que de partager ton fardeau et voir le risque et prendre le risque, pardon, le risque de que l'objet de ton désir soit piqué par les autres personnes. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Tu refuses de quoi? Ok. Tu veux tout faire par toi-même parce que tu penses avoir toutes les qualités nécessaires de tout le monde. Tu penses avoir les qualités de la terre entière. Chaque talent t'appartient. C'est une quête de toute puissance, une quête de un excès d'énergie qui te pousse vers l'avant et pas assez à l'intérieur. Et pourquoi tu as du mal à aller à l'intérieur? Parce que tu te retrouves en face de ton indésir, quelque chose qui anesthésie un désir, un feu que tu aurais éteint. Ah, mais c'est ça. Ok. Ta vraie question, c'est pourquoi je n'arrive pas à aller capter mon feu sacré, à aller capter mon réel désir, celui qui va me mettre sur le chemin, me faire effectivement avoir énormément d'énergie, à ne plus en être fatigué, mais qui en même temps va à un moment donné se calmer pour me laisser me reposer, pour que j'aille chercher du bois et que je le réalimente par la suite. Ça me parle de ta capacité à te reposer, mais dans tous les sens du terme. À te reposer émotionnellement parlant, à te reposer psychiquement parlant, enfin mentalement parlant, intellectuellement parlant. À savoir déléguer les tâches. T'as vraiment une espèce de monstre à l'intérieur de toi qui, tu penses qu'il va te dévorer. C'est pour ça que tu vas pas voir à l'intérieur de toi. Et chaque nuit, tu essayes de ne pas lui faire face. Et c'est pour ça que tu dors mal. C'est l'autre lecture que je pourrais te, c'est l'autre cartographie que je pourrais te fournir. Et qu'est-ce qu'il faudrait dire pour faire bouger tout ça pour toi? Je gerbe. Pourquoi je gerbe? Parce que tu... Ah oui. Ça me parle d'aller adoucir l'extérieur. Aller adoucir ton côté sans mesure, ton côté toute puissance. T'as peur de te faire. Ok. Tu crains que le monde te dévore, donc tu préfères dévorer le monde. Comme ça, c'est ta manière de subsister. Dit autrement, ta manière de subsister, c'est d'être toujours en tension. C'est d'être toujours une espèce d'influx électrique qui t'électrocute, en fait, et qui ne te fait pas du bien. Pour le groupe, qu'est-ce que ça veut dire?
On veut briller par tous les moyens. On cherche à, en même temps, en étant retiré du monde, à faire en sorte que les autres nous voient en laissant des trésors à l'extérieur de la grotte. Les gens viennent, prennent le trésor, s'en vont, et nous, on n'a pas eu ce qu'on voulait, un contact. Ça vient me parler de toutes les stratégies que l'on met en place pour quand même être en lien avec les autres, mais sans être réellement en lien avec les autres. On ne s'avoue pas qu'on a besoin des autres. On ne s'avoue pas de faire partie de cette famille nommée humanité qui est autant merdique que géniale. Ouais, avec ça, ça commence à bouger. Et c'est ça qui nous coupe de notre pouvoir et de la reconnaissance que l'on a envers soi-même. Et la reconnaissance surtout de nos talents. Reconnaître nos talents, c'est accepter que les trésors, ce sont des... Alors non, je ne vais pas aller vers là. Nos talents, c'est ce qui nous met en lien. Voilà. C'est parce que je reconnais mon talent que je sais que je suis pertinent dans mon talent, dans mon génie, dans ce que je sais faire de mieux, que les autres vont être attirés vers moi, que je vais pouvoir me lier aux autres. Ça me parle de... Voilà, ouais, c'est ça. Acceptons de jouer avec nos faiblesses, acceptons de jouer avec nos fausses excuses, acceptons de jouer avec... Laissons le trésor à l'entrée de la grotte, mais allons aussi devant la grotte pour parler un bout avec les autres, pour tailler la bavette, comme disait l'autre. L'énergie du groupe vibre. Je veux pas. Je veux pas me connecter aux autres. Alors que tout ce qu'on veut, c'est... Il y a un besoin qui est là de se connecter à l'autre, de contribuer. Et que c'est à travers la construction concrète d'un projet ou de quelque chose, grâce à l'intervention de nos talents avec d'autres personnes qui ont d'autres talents, qui va nous faire reconnaître qui on est. Il y aura une satisfaction là, voilà. L'information d'évolution pour tout le monde, c'est la satisfaction de la création. C'est bon.